Une autre information importante à avoir dans les contrats. Si vous travaillez avec la nourriture, soit les gâteaux, les bonbons, les buffets froids, les buffets chauds, la nourriture en général, toujours laisser clair dans votre contrat tout ce qui est lié aux allergies. Si vous n'avez pas une assurance si vous n'êtes pas sûr, je veux dire que votre fournisseur de gâteaux ne contient pas d'arachide, par exemple, que vos gâteaux n'ont pas de contact avec l'arachide, les arachides. Parce qu'ici au Québec, il y en a beaucoup de personnes qui ont des allergies aux arachides, je ne sais pas pourquoi. Mais ici, c'est assez souvent, on voit des gens qui ont des allergies aux noix ou aux arachides seulement. Donc, s'il y a un client qui a une allergie, il achète un gâteau avec vous, et là, il a un problème, c'est sérieux. Donc, il faut vraiment laisser clair dans votre contrat. Si la personne, elle doit vous aviser qu'il a des allergies, ou vous pouvez écrire, je ne suis pas à mesure de... vous dire si les gâteaux n'ont pas d'allergène. Donc, vous pouvez ajouter une phrase comme, écrivez mieux la phrase, là, je dis ça un peu n'importe comment, là, mais écrivez par exemple, les gâteaux et les bonbons peuvent contenir des noix ou d'autres allergènes. Vous comprenez? Donc, ça va dire au client, attention, s'il y a des gens dans votre entourage qui viennent à la fête qui ont des allergies, je ne peux pas garantir que la nourriture que je vous fournis n'a pas eu de contact, par exemple, avec les noix. D'accord? Donc ça, c'est très important.